Le 8 noir, père et manque. Un poète persan a dit un jour, les yeux d'une femme sont la seule parure dont elle ait réellement besoin. J'ai bien peur qu'il n'y en ait qu'une minorité parmi les vieilles douairières, riches, veuves ou femmes vivant de la pension d'un ex-mari, qui soit d'accord avec ce pauvre poète. Vous vous doutez bien que cet endroit est un véritable aimant pour tout ce qui touche la pègre. Ces bandits commencent par prendre leur temps et sélectionner leurs victimes, et ensuite choisissent leur manière d'opérer. Prenez le mont en l'air, par exemple. Ce n'est peut-être pas le plus spectaculaire, mais c'est certainement lui qui utilise le moyen le plus dangereux. Lui apporter du cognac, elle a été choquée. Vous y allez, monsieur? Je voudrais que vous appeliez la police, s'il vous plaît. Ici, chambre 602. C'est pour un cambriolage. Oui, c'est ça. Je vois qu'il y a quand même un homme qui garde son sang-froid dans cet hôtel. Je me présente, Nathalie Sheridan. Sébastien Toms, que vous me croyez ou non? Oh, mais bien sûr que je vous crois. La plupart des gens ont toujours confiance en ce que leur dit le célèbre Simon Templar, le saint. Thank you.
Eh ben, t'en as mis du temps. J'ai failli être pris. Ça va, tu peux te relever maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? La vieille dame s'est réveillée. Tu as trouvé? Oui. T'avais pas d'autre affaire? Elles sont restées là-bas. J'ai pas pu retourner dans la chambre, me changer. Vous dites que cet homme a immédiatement fouillé le vase, chère madame. Quoi? Oui, c'est exact. Mais est-ce que vous cachez souvent vos bijoux dans ce genre de vase? Oh, il me semblait valoir un coffre. Jusqu'à cette nuit? Qu'est-ce que mon pauvre mari va dire? Est-ce que parmi vos familiers, on connaissait cette habitude? Non. Alors comment cet homme les a-t-il trouvés immédiatement? On peut l'avoir enseigné, non? Mais qui? Ah, ça, monsieur Latillon, en tant que chef de la police de cette ville, c'est votre devoir de le découvrir. Des indices? Ah, bien sûr, il a grimpé le long du mur, il est passé par le balcon, inspecteur. Ah, beau travail. Mes félicitations. Et quelle valeur donnez-vous aux bijoux qui vous ont été volés? Oh, mais 15 000 livres au moins. C'était très risqué de laisser traîner une pareille somme dans un vase. Ça ne le serait pas si vous faisiez correctement votre travail. Oh, mes bijoux. Ne vous inquiétez pas, madame. Je vous rapporterai vos bijoux. Quand? Je suis en mesure de mettre la main non sur le voleur, mais sur son chef. Ce n'est qu'une question de minutes. Entrez, inspecteur. Mais qu'est-ce que c'est? Du champagne, je fais une petite fête. Pourquoi? J'ai eu de la chance cette nuit. Est-ce que ce sont des bijoux qui ont matérialisé cette chance? Non, la roulette. Vous sembliez m'attendre, Templar. Non, l'intuition. Vous en voulez? Oui, merci. Non, merci. Un incorruptible, c'est donc à la mode ici aussi. Vous aviez raison de m'attendre, cher monsieur, je suis en mission. Où vous trouviez-vous quand le cambrioleur s'est enfui de la chambre? J'étais dans le couloir. Ah, vous avez donc vu cet homme? Oui, mais très vite. Vous pouvez le décrire, j'espère. Oui, il était plutôt moyen. Taille moyenne. Et couleur de cheveux? Moyenne. Quoi d'autre? Vêtements... foncés. Foncés. Et vous n'avez jamais vu cet homme auparavant? Bien entendu. Bien entendu. Vous êtes bien arrivé hier après-midi de Monte Carlo? Ça, vous le savez déjà. Mais pourquoi le saurais-je? Parce que les bijoux ont été volés à mon hôtel à Monte-Carlo et que vous ajoutez 2 plus 2 et que vous obtenez 4. Est-ce que vous ne trouvez pas étrange que chaque fois que vous descendez dans un hôtel, des bijoux semblent aussitôt disparaître? Très étrange. Ah, vous avez une explication? Aucune que vous accepteriez. Vous êtes sûr? Je ne suis pas certain que vous en sachiez aussi peu que vous le prétendez. Il y a eu une série de vols de bijoux récemment dans la plupart des grands hôtels de la Côte d'Azur. Le voleur semble toujours agir à la suite de certaines informations. Et vous devez croire que son informateur, c'est moi, hein? J'en suis certain. Donc vous voulez un compte-rendu de mes déplacements tant que je resterai par ici? Mais je l'exige, mon cher. Très bien. Dans la matinée, vers 10h, je serai à la piscine. Une fois changé, je crois que je me baignerai, à moins que j'essaie de me faire bronzer. Oh, mais je vous le dirai. Il existe un dicton, monsieur. Rira bien qui rira le dernier. Vous comprenez? Alors, j'en connais un autre. Si vous n'appelez pas un chien par son vrai nom, ne soyez pas étonné si par hasard il aiguise ses dents sur le bas de votre pantalon. Vous êtes d'accord? Oui. Et à quel sujet? C'est notre homme. Ah, sans aucun doute. La question est de savoir qui est son complice. Mais nous avons son signalement. Il n'apporte rien, trop vague. Mais pour l'instant, je veux qu'il soit sous surveillance nuit et jour. Notez tous ses faits et gestes et écoutez toutes les conversations qu'il peut avoir à partir de maintenant. Oui. Mais discrètement surtout, Alphonse. Discrètement, hein? Ah oui. C'est agaçant tout cinéma pour éviter que les gens apprennent qu'on se connaît, tu trouves pas? Mais c'est plus sûr. Si je peux repartir à l'hôtel chercher tes affaires? J'ai une manière personnelle d'y entrer. Thank you.
Bonsoir, monsieur. Vous voulez me donner ma clé? Est-ce que votre chambre vous convient, monsieur? Oui, je vous remercie. Vous avez des amis à Cannes, monsieur? Non, j'étais pas très bien ces derniers temps, et je suis venu ici pour me reposer, et aussi pour être tranquille. Je voudrais ma clé. À votre service, monsieur. Quelle valeur ça représente? Entre 10 et 15 000. Sans risque. Aujourd'hui, j'ai failli me casser le cou. Oh, tu t'en es bien tiré, mon vieux. Ça a été juste. Et s'ils m'attrapent, il ne leur faudra pas longtemps pour mettre la main sur vous deux. T'as peur, on dirait? Non, du tout. Elle nous appelle pour nous dire où est la camelote. S'il faut ouvrir un coffre, à toi de jouer. S'il n'y a pas de coffre, à moi d'escalader. On forme la parfaite équipe. Que cette chaise est prise. Oh, mon Dieu, j'attends quelqu'un d'un instant à l'autre. Eh bien, je vais vous tenir compagnie jusqu'à ce qu'il revienne. Je suis vraiment désolé, ma chérie. Oh. C'est dommage que vous soyez obligée de partir. Merci, moi. À quoi avez-vous vu que j'avais besoin d'aide? Non, c'est une sorte d'instinct qu'ont tous les mâles de ma famille depuis des générations. Garçon, deux martinis, s'il vous plaît. Je ne suis pas le genre de fille que vous croyez. Je ne viens pas dans un café non accompagnée, en général. Vous devez faire des économies. Dans ce pays, les gens semblent croire que si vous n'attendez pas un homme en particulier, cela veut dire que vous attendez n'importe qui. Nathalie, d'où venez-vous? Du Canada, à Montréal. Est-ce que les hommes ne parlent pas aux belles filles chez vous? C'est différent chez moi. À moins que mon mariage m'ait fait oublier ma jeunesse. Mais où est donc votre mari? Mon ex-mari. Ah, donc vous êtes venu en Europe vous distraire? C'est un peu ça, oui. Eh bien, si vous... Si vous êtes décidé à continuer cette excursion dans ce pays, il faudra vous habituer à voir les hommes essayer de sortir avec vous. Ça m'est égal si je rencontre celui que j'espère. Pardon, je ne vous ai pas vu, excusez-moi. Excusez-moi. Je vous ai donné un parfait alibi. Et vous l'avez convaincu? Oh, je crains bien que non. Ah, ce brave Latignan, vous avez beau lui apporter toutes les preuves du monde, il ne veut absolument rien savoir. Oh non. Qui est-ce? Oh, c'est une redoutable commère qu'on m'a présentée à Monte Carlo il y a une semaine. Bertha Novercham. Si nous prenons la fuite tout de suite, on peut peut-être l'éviter. Trop tard. Vous m'en avez fait faire du mauvais sang, grande méchante. Vous avez quitté Monte Carlo sans même venir me faire un baiser d'adieu. Qui est ce ravissant jeune homme? Oh, je m'excuse. Madame Novercham, Monsieur Templar. Oh, bonsoir, asseyez-vous donc avec nous. C'est une chance que je vous ai vu, vous savez. Cet endroit est plein de touristes et de chanteurs qui viennent vous hurler dans les oreilles. Toutes les minutes, vous rencontrez un groupe qui chante entraînant un orgue électrique. Vous prenez quelque chose? Vous êtes trop gentil. Une coupe de champagne, oui. Ma chère, vous savez ce que la grande famille des Cogan sert sur son fabuleux yacht? Une seule coupe de champagne pour tout apéritif et du vin à 10 degrés au moment des repas. Je crois que seul un milliardaire peut insulter ses amis de cette façon. Du champagne, garçon.
Très cher. Venez donc prendre un verre avec nous, grand timide. Bernie Kovar, le célèbre producteur de cinéma qui a épousé Mila Camboldi, il tourne actuellement un film à Paris. Monsieur Kovar, Mademoiselle Sheridan et Monsieur Templar. Monsieur Kovar, très heureux. Asseyez-vous donc. J'allais le dire. Est-ce que Mila est avec vous? Elle arrive ce soir. Et elle apporte sa collection de bijoux? Oui, pourquoi? Dites-lui bien qu'elle devra faire très attention. Oh, vous pensez à tous ces cambrioleurs? Il ne m'inquiète pas. Il y a un coffre dans mon salon et nous ne restons qu'une seule nuit de toute façon. Bernie, qu'est-ce que vous tournez à Paris? Alors, nous serions absolument ravis de l'apprendre, mais j'ai peur que nous soyons obligés de vous quitter. Nathalie? Comment déjà? Oui, nous avons été invités à une petite soirée. Oh, excellente idée, je vous accompagne. Non, je regrette, mais c'est excessivement privé. Oh. Madame Novershams, j'espère que nous nous reverrons. Monsieur Kovar? Au revoir. Chérie? Au revoir. Au revoir. Je fais ce que ce monsieur prendra, garçon. Bien belle fille, qui est-ce? Voilà une excellente question, mon cher. Qu'entendez-vous par là? Je crois que notre Nathalie est très différente de la fille qu'elle a toujours prétendu être, Bernie. Mireille, l'addition, s'il vous plaît. Oui, tout de suite, monsieur. Simon, permettez-moi d'en payer la moitié. Est-ce que toutes les romances se déroulent de cette façon à Montréal, ma chère Nathalie? Mais nous ne vivons aucune romance. Vous trouvez que si un homme paie votre repas, il croira que vous vous vendez à lui? Beaucoup d'hommes semblent croire, oui. Vous avez une bien piètre opinion de l'espèce masculine. Oh, j'ai d'excellentes raisons. Nathalie, vous avez quitté votre mari. Ne condamnez pas tout notre sexe. D'après ce que j'ai vu, tous les hommes ont l'air exactement semblables. Voilà, monsieur. Merci. Combien? Des fleurs pour madame, 10 francs, monsieur. Merci. Tenez. Merci. Est-ce que j'aurai les 5 francs tout de suite ou me rembourserez-vous en gentillesse tout à l'heure? Simon, je sais que vous devez penser que je suis vieux jeu, mais je vous assure que j'ai traversé une dure période. Mais j'ai une excellente thérapeutique pour ce dont vous souffrez. Ah, quelle est-elle? Le ciel bleu entourant un chaud soleil, bien manger, et reprendre très vite goût à la vie. Eh bien, je ne sais qu'une chose. Je viens de trouver le docteur qu'il fallait. Est-ce que nous allons au casino? Oh, il fait une soirée si douce. Ne pourrions-nous pas faire d'abord un tour en voiture? Bien sûr. Je vais aller me refaire une beauté, alors. JG. Il faudra t'arranger pour nous prévenir dès qu'elle arrivera. Et surtout, débrouille-toi pour garder le sein hors de sa chambre pendant environ une heure. D'accord. Une grosse affaire en vue. Mila Gambody, la grande actrice. Des joyaux énormes nous attendent. Deux vols de suite dans le même hôtel? Oh, nous avons trouvé un plan pour lancer la police sur d'autres traces. Ah oui? Oui, je vais aller mettre ces bijoux quelque part dans la chambre du Saint. Et je téléphonerai à la police. À la minute où ils l'emmèneront, on s'attaquera à Gambody. C'est une idée à elle. Tu sais ce qui ne va pas avec toi, Hugo. Tu n'aimes pas travailler pour une femme. Magnifique. La guerre est terminée. Oh, je signe juste un armistice. Prenez une résolution, alors. Je vous écoute. Vivez en pensant à l'avenir et oubliez le passé. Excusez-moi. Alors, Alphonse, vous avez perdu quelque chose? Je fais ce qu'on m'a dit. Qu'est-ce que vous cherchez, les pots d'échappement volés? Qu'est-ce que tout ça veut dire? Alphonse, que voici croit que nous projetons un crime. Mais il est complètement idiot. Ouais. Excusez-moi, mademoiselle. Une regrettable erreur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alphonse. Est-ce qu'il était là depuis longtemps? Ce monsieur nous a suivis toute la soirée. Mais pourquoi? Eh bien, il croit que vous me donnez de précieuses informations. Quoi, des informations? Sur les femmes qui gardent leurs bijoux près d'elles la nuit. Mais est-ce qu'il croit sérieusement que vous êtes l'auteur de ces cambriolages? Dans ce pays, Nathalie, si une voiture reste garée 10 minutes de plus que l'heure prévue, l'inspecteur Latignan réclame un mandat pour venir en personne m'arrêter. Faut-il partir?
Est-ce que le fait de savoir que la police nous regarde ne gâche pas quelque peu l'ambiance? Est-ce que nous engageons le combat ou nous prenons la fuite? Oh, dans le fond, elle n'est pas si désagréable que ça, vous savez. Nous avons décidé d'aller au casino. Est-ce que vous venez avec nous? Oh, mais avec grand plaisir, bien sûr. Et vous, Mila, vous êtes prête à partir à l'assaut de la roulette? Mais qui sont donc ces jeunes personnes, Bertha? Tu les as déjà rencontrées, voyons, Mila. Ma femme est encore un peu fatiguée de son voyage. Oh, mais il est vraiment très mignon. Bon, eh bien, je vais me changer. Oh, il n'y a rien qui presse, Simon. Je ne serai pas long. Est-ce qu'il n'est pas ravissant? Appelle-moi, tu veux, Bernie? Bernie, j'en ai envie. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir, Marie-Thérèse. Bonsoir, monsieur. Je n'en ai aucune idée. Et rien n'a été volé dans votre chambre? Je n'ai rien remarqué. On a trouvé ça dans ses poches, monsieur. Ah, mes félicitations. Hôtel Dauphine. Où est-ce? Rue du Bourg. Vous le connaissez, monsieur Templar? Non. Mais je ne vous crois pas. Je crois que cet homme était votre complice.
Je crois qu'il vous a porté le produit des cambriolages et vous avez eu une légère dispute et... Est-ce que vous m'accusez formellement d'avoir commis un meurtre? Venez, nous allons voir ce qu'on va trouver dans votre chambre. Toujours rien, inspecteur. Satisfait, inspecteur? Aucune trace des joyaux et rien n'a cependant été volé dans la chambre. Qu'est-ce que faisait cet homme chez vous dans ce cas? Ça, c'est à la police de me l'apprendre. Et maintenant, inspecteur, si vous ne m'accusez d'aucun délit... Sans aucun doute, je trouverai des indices à l'hôtel Dauphine. Ensuite, je reviendrai avec toutes les accusations que je désirerai. Mais entre-temps, vous ne bougez pas d'ici. Restez ici. N'autorisez pas Templar à quitter sa chambre. C'est vrai? Mais quand? Mais qu'est-ce que j'y ferai? Oui. D'accord. Bon, je vais aller tout de suite dans sa chambre. Oui, je saurai l'y retrouver. Entrez. Simon, vous ne l'avez pas tué? Non. Eh bien, cela me bouleverse tellement. Tout le monde dit que vous l'avez tué. Ah, et quel est votre avis? Je vous crois, Simon. Bon. Est-ce que le policier est là? Oui. Il va falloir sortir sans se faire remarquer. Mais comment? Tout le monde utilise la fenêtre, pourquoi pas moi? Oh, vous ne pouvez pas. Simon, pas ça, vous risquez de tomber. Vous auriez du chagrin? C'est très dangereux. Pourquoi ne pas être raisonnable? Oh, en coopérant avec la police. Mais pourquoi pas, après tout, si vous n'avez rien à cacher? Notre malheureuse amie était venue pour me faire inculper. C'est une habitude chez certaines personnes, ils tentent des pièges en utilisant des fromages d'un genre qui vous étonnerait. Quel genre? Moi. Vous ne bougez pas. Monsieur? Vous êtes la patronne? Oui, monsieur. Je me présente, inspecteur Latignan. Qui occupe cette chambre? Merci, madame. Bonsoir, madame. Est-ce que mon chef est déjà monté? Chambre 10. Quel est le nom du locataire? Tench, un étranger. Est-ce qu'on l'a demandé au téléphone? 3 ou 4 fois. Toujours la même personne? C'était toujours la même. Et c'était une fille, monsieur. Française? Oui. Et j'ai trouvé qu'elle avait une jolie voix. Ah, comment ça, une jolie voix? Une voix très agréable, monsieur. Bonsoir, monsieur. Oh, est-ce que vous ne voyez rien d'autre à dire? Oh, si. Un jour, j'ai entendu la voix de la standardiste qui appelait, et c'était celle du Continental, j'en suis sûre. Uh-huh.
Est-ce que Tench avait des relations ou des amis, à votre avis? Il connaissait M. Withers et il prétendait que c'était faux. Où est ce Withers? C'est lui qui vient de sortir. Merci, madame. Et qui est à l'appareil? Oh, un moment. C'est pour vous, une femme. Qui est-ce? Elle refuse de dire comment elle s'appelle. Alors prenez-la. Elle dit que c'est à propos de Templar. Ici, Latignan. Ah, et comment le savez-vous, chère madame? C'était intéressant. Alphonse, cette fois, je vous certifie que nous le tenons. Pauvre idiot, vous l'avez laissé s'enfuir. Mais hein? C'est pas possible, monsieur l'inspecteur, je n'ai pas bougé d'ici. Et vous l'avez aidé à s'échapper. J'ai l'impression que vous avez... C'est moi que vous cherchez, inspecteur. Oh, que se passe-t-il? Est-ce qu'il existe une loi qui m'interdise de sortir prendre un peu l'air sur le balcon? J'écoute. Vous avez raison, cela n'est rien. Mais... Je suis très heureux que vous soyez ici, mademoiselle. Vous serez témoin. Une seconde. Patientez, vous allez voir. Je vais vous montrer. Ceci appartient à Lady Averstock. Étrange, hein? En êtes-vous sûr, inspecteur? Ne vous inquiétez pas. Elle viendra les identifier sans le moindre doute. Juste pour satisfaire ma curiosité. Et je voudrais savoir comment vous avez su qu'ils étaient là. Un informateur me l'a téléphoné. Une femme. Mais elle n'avait aucune raison de savoir qu'ils étaient là. Ou alors elle les a placés elle-même. Ne venez pas m'ennuyer avec vos discours, je veux des faits. Veuillez m'excuser. Venez, vous êtes en état d'arrestation. Pendant les 20 prochaines années, vous allez avoir la chance de vous laisser vivre aux frais de mon gouvernement. Thank you.
Laissez-moi sortir et vous aurez le véritable chef avant demain matin. J'ai le véritable chef. Faites une erreur monumentale, inspecteur. Non, monsieur, c'est vous qui l'avez faite et vous la regretterez pendant des années. Pardonnez-moi, inspecteur, je suis vraiment navré de devoir en arriver à ce geste. Attrapez-le! Ramenez-moi Templar! Je vous l'ordonne! Vivre pour l'avenir et non pour le passé, disait-il. Il a trouvé cette phrase dans un film de deuxième ordre. Tu dois en connaître beaucoup, chérie. J'ai été assez stupide pour croire ces fariboles. Oui, vous êtes stupide si vous croyez les hommes. Oui. Le jour où ils apprennent à parler, ils apprennent à mentir. Personnellement, je ne crois pas qu'il ait volé les bijoux de cette chère Lady Haverstock. Mais ils ont trouvé des pendentifs dans sa chambre, voyons. Un autre verre. Mila, je crois qu'il est temps que tu ailles dormir. Si tu peux me donner une seule raison. Parce que tu es fatiguée. De t'entendre parler. Bernie a raison, il se fait tard. Allez, venez, Nathalie. Bonsoir, Mila. Bonsoir. Bonsoir, Bernie. Merci pour ce verre. Mais c'est moi, voyons, Bertha. À demain. À demain. Bonsoir. Bonsoir. Oh, ne les jette pas comme ça, voyons. Pourquoi ça? Je les ai payés, non? Oh, tu n'es vraiment pas drôle quand tu es ivre. Et toi, tu es tellement moins drôle quand moi, je suis sobre. Nathalie, je crois que vous devriez prendre un peu de somnifère. Vous iriez bien mieux demain matin au réveil. Oh, j'en doute. Bonsoir, Bertha. Bonne nuit. Échappé? Exact. Et que faites-vous dans ma chambre? Mais je sers du champagne, très cher. Vous en avez après mes bijoux, hein? Oh, je vous donne ma parole d'honneur que non, Bertha. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez appeler la police. Après ma coupe de champagne, mon cher. Chiche. D'accord. Est-ce que vos amis, les Covards, dorment ou non? Ça m'étonnerait, vous savez, il n'y a pas deux minutes que je les ai quittés. Pourquoi? Pour rien. Vous savez, monsieur Templar, que je trouve que vous êtes un jeune homme très agréable. Vous avez du goût, très cher. Non, je pense que je dis, vous êtes charmant et amusant. Madame Leversham, l'admiration est réciproque. Merci. À votre avenir. Je n'attends rien de beau de mon avenir. C'est ridicule. Je suis maintenant une vieille toute fripée qui n'a plus beaucoup d'espoir. Je n'ai pas de rente non plus, très chère. Oh, vous êtes charmante et très gracieuse. Oh, que c'est gentil à vous de me dire tout ça. Vous devriez bien en dire autant à Nathalie, elle est complètement retournée. Hein? Mais pourquoi? Mon cher, je crois que cette idiote est tombée amoureuse de vous. C'est elle qui vous l'a dit? Non, mais j'en suis certaine. Elle est particulièrement radieuse, comparée à l'année dernière. Nathalie Sheridan était ici l'année dernière? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a d'étrange à ça? Oh, rien, je... Je croyais que c'était son premier voyage en Europe. Oui, entrez. J'ai fini dans quelques secondes maintenant. Vous repartez? Je croyais que vous étiez en prison. C'est bien ce que vous vouliez. Ce que je voulais, mais c'est complètement ridicule. Ah oui? Je vois que vous faites vos valises.
Oui, je préfère rentrer chez moi. Je ne suis réellement pas faite pour ce genre de vie. Pour quel genre de vie êtes-vous donc faite, Alain? Que voulez-vous dire? Vous me semblez être une fille qui ne sait pas ce qu'elle veut elle-même. Elle m'entraîne faire un tour sur les bords de la Méditerranée, pendant qu'un homme cache les boucles d'oreilles dans ma chambre. Qui ai-je jugé? Jacques Gordon, mon ex-époux. Cela n'a rien à voir avec vos affaires. Étiez-vous venu ici auparavant? De quel droit osez-vous venir me questionner? C'est vous qui êtes recherché par la police. Oh, c'est exact. Où avais-je la tête? Vous feriez bien de me renvoyer en prison. Tenez. J'ai fait un faux numéro? Je refuse. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je vous aime, pauvre idiot. Vous prendrez 5 hommes et vous irez à l'aéroport. Inspecteur. Et les hôpitaux. Vous prenez tous les hommes qu'il vous faut. Et vous envahissez la gare et bloquez toutes les routes qui mènent au nord. Oui, vérifiez les hôpitaux. Vous avertissez la police maritime qu'elle surveille toutes les embarcations. Je dis bien mais toutes, son mon hôtel. Vieux. Oh, mais je suis scondé par des idiots. Templar n'est pas assez fou pour retourner à son hôtel. Inspecteur, s'il vous plaît. J'ai dit vérifiez les hôpitaux. Le téléphone. Vous avez fini de m'interrompre? Je ne suis là pour absolument personne. Je veux uniquement capturer ce Templar. Mais c'est justement Templar. Oh, pourquoi ne le disiez-vous pas alors? Mais c'est... Allô? Allô, inspecteur? Templar. Mais Alphonse, faites quelque chose, essayez de savoir où il est. Mais je suis à mon hôtel. Comment à votre hôtel? Mais poussez-vous, Alphonse, allô? Vous êtes encore là? Calmez-vous, vous allez attraper un coup de sang. Je vous ai promis de vous livrer le véritable chef avant demain matin. Alors si vous et vos excellents collaborateurs daignez venir à l'hôtel, vous n'auriez plus qu'à l'arrêter. Votre voleur, inspecteur. C'est encore un de vos tours, je le sens. Si vous ne me croyez pas, regardez dans ses poches, Alphonse. Et il avait une complice. Oh, mais je suis au courant. C'est cette ravissante jeune fille de Montréal. Vous savez? Oh, bien sûr, je suis parvenu à la reconnaître à sa voix. Sa voix si attachante. Mais ce n'est pas tout. Hein? Nous avons découvert qu'elle avait pris une place sur l'avion de demain matin. Mais elle ne pourra pas le prendre. Non, en aucun cas. Grâce à vous, inspecteur. Je pense vraiment ce que je dis. Il m'arrive de me demander quel est votre secret. Oh, j'ai peut-être une très longue expérience. C'est amusant. Je peux venir avec vous? Non, je sais où elle se trouve, je vous assure. Oh, je sais, mais j'aime vous regarder travailler. Après vous. Merci. Mais je ne crois pas que ce soit sa chambre. Je parie qu'elle est là, vous allez voir. Mademoiselle... J'ai le grand regret d'être obligé de vous apprendre que vous êtes en état d'arrestation. Moi? Est-ce que je dois vous en expliquer la raison? J'avoue que je le souhaiterais, inspecteur. Mademoiselle, vous vous arrangez pour devenir l'amie de vieilles dames riches et solitaires. Mais inspecteur, un peu de silence. Sûr que vous... En un minimum de temps, vous compariez tous vos bijoux. Et très vite, elles vous révélaient leur cachette avec Lady Haverstock qu'ils étaient sous les fleurs. Vous le disiez alors à votre complice, l'homme qui est tombé cette nuit, et nous avons appris, mademoiselle, qu'il avait travaillé autrefois dans un cirque au trapèze volant. Donc, il lui était facile d'escalader le mur sur lequel donnait sa chambre et disparut les jolis bijoux. Bravo, inspecteur, c'était magnifique. Merci. Vous avez absolument raison, oh. Excepté sur un petit détail. Ah oui, lequel ?
Vous faites erreur sur la fille. La fête est finie, Bertha. Je le crois aussi. C'est elle ? Oui. Mais il y a sûrement une erreur. Des douzaines, très cher. La plus importante fut d'épouser Daniel Tench. C'était votre mari ? Mm-hmm. Vous pouvez ne pas me croire, mais j'étais sa partenaire au trapèze, très cher. Les fabuleux Tench. Alors, Alphonse. Eh bien, inspecteur, il semble qu'il ne nous reste plus à régler qu'un ou deux petits détails. Oh, il ne sera donné aucune suite à votre agression sur un représentant de l'ordre, ni à votre emprunt frauduleux d'une voiture de police, mon cher Templar. Et si vous êtes d'accord, il n'y en aura pas non plus à cette arrestation arbitraire. Oh, c'est entendu. Et j'ai un cadeau pour vous. Je vous paie un nouveau couvre-chef avec mes 10%, d'accord ? Mademoiselle ? Bonsoir. Vous allez manquer votre avion? J'y compte bien. Dites, comment avez-vous su que c'était Bertha qui les dirigeait? Parce que je savais que ce n'était pas vous. Vous avez couru un très gros risque. Je le devais, voyons. Quand nos amis ont décidé de m'utiliser comme appât, il ne me restait plus qu'à les prendre de vitesse. Avouez que ça m'a plutôt bien réussi.